Bon bah, la rando commence très bien. Elle commence par un beau petit ruisseau qui coule, le chant des oiseaux. Ça va être magnifique parce que, bon, aujourd'hui, je vais manger dehors. Donc, aujourd'hui, les amis, nous sommes le mardi 1er juin 2021 et il fait un super beau temps. Déjà depuis quelques jours, hein. Depuis 4-5 jours, c'est très bien. Voilà, ben, je suis parti dans les bois et puis je vais aller casser la croûte dans les bois parce que la fraîcheur, moi j'aime bien ça, hein. Dehors ça tape, hein. Il fait déjà 21 degrés. Hein. Elle est bien propre, bien claire, hein. Elle est bonne à boire. Ben voilà, j'ai décidé donc de casser la croûte ici. Alors, oh, c'est tout simple, hein. Vous savez. Comme je dis souvent, hein, moi dans les bois, je m'emmerde pas, il fait beau, casse-croûte, qu'est-ce qu'il y a? Bah, du thon, la ratatouille, un bout de fromage, une compote de pommes, un bon morceau de pain, la bouteille de frette que j'ai mis à l'abri, là, pour que ce soit bien fraîche. Voilà l'environnement, ce midi, de ma pause casse-croûte. Je vais être bien là. À côté de l'eau qui coule. Bon, il y en a à qui ça peut donner envie de pisser. Moi, ça me donne juste envie de vivre, au calme. Voilà. Bon appétit. Sautons. C'est excellent. C'est excellent. Je ne croirais pas à la mer, mais presque. Voilà. Un petit thon ratatouille. Un petit thon ratatouille. Ratatouille. Ouais. Avec la ratatouille. C'est pas bon. Voilà, bien fait. Très bien. Voilà ben. Je me suis fait un truc de ma composition. Mon thon ratatouille. Et ça, c'est bon comme tout. De toute façon, tout ce qui est pris dans la nature, même si c'est de la conserve, c'est toujours meilleur. Bon ben voilà. Je suis calé avec mon thon ratatouille. On va attaquer le fromage maintenant. Voilà. Pendant que je suis en train de manger mon bon fromage, j'admire et j'écoute le spectacle de l'eau. Bien. Bon fromage. Et bon pain. Bon ben. Un bon petit coup de pote là-dessus. Et puis après, on va attaquer la compote. Hein. Eh ben, c'est bien beau, hein, cette forêt de la Croix-Caille. Alors la Croix-Caille, ben, c'est le point culminant des Ardennes. Alors aujourd'hui, en ce mardi 1er juin, j'ai une très grosse pensée pour ma petite fille chérie Alexandra, qui passe, bon, 2 jours et demi, ses épreuves pour être secrétaire médicale. Hein. Donc voilà, je suis, comme je lui ai dit, pour la faire rire hier et la détendre en esprit avec elle, même si mon esprit est un peu sénile. Ben, c'est une association d'esprit estudiantin avec un esprit de sénile. Ça devrait aller, ça devrait compenser. Merde. Merde, ma chérie. Merde, puissance 10. Puissance 100. Puissance 1000. Merde pour tout.
Voilà, gros bisous de ton papy qui t'aime. Bon ben voilà, je poursuis mon chemin par la route forestière d'Oudremont, qui devrait m'emmener à la Croix-Caille. Alors là, ben, ça souffle, on l'entend, hein, et puis ça bouge. Hein. En fait, je suis au troisième étage de la tour du Millénaire, sur le site de la Croix-Caille. Ah, c'est magnifique. Hein. Et ça m'a fait une sacrée marche. Hein. Ça fait quand même quasiment une heure et demie aller, donc une heure et demie retour. Donc faut bien compter 3 heures de marche, ça c'est clair. Hein. Donc si je marche en moyenne à 6 km/h, 3 fois 6, 18 hein, quand je vais rentrer. Voilà. C'était beau, hein. Kenavo. Bon, on va aller chercher un peu d'eau bien fraîche, hein, des copains bien fraîches, à la source. Regardez ça comme elle est claire. On va remplir la petite bouteille. Hein? Regarde-moi ça. Eh bien, j'arrive au bout de mon circuit. Ça fait entre 18 et 20 km hein, quand même. Et là, bah, j'ai liquidé, bah oui, déjà deux bouteilles de flotte, 2 litres de flotte, et puis là je suis en train de refaire le plein là, à la source. C'est mon point de départ, ça. Voilà. Je fais une pause ici. Je suis bientôt arrivé. Il me reste quoi? 500 mètres, quoi. 500 mètres. Bébé. Hein? Regarde-moi ça. Regarde-moi ça comme c'est beau.